been looking for answers, something more. Holding the past in my hands, now I'm fighting for someone I've ignored. To find who I am, and I've been taking all the time. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un big haul colo, hein, parce que en juin je me suis serré la ceinture et tout et je pouvais rien acheter et ça a été la débandade après. Et du coup vous avez le haul de juillet et le haul de août. Je vais pas vous montrer tout en détail parce que ça va durer des plombes, mais je vais vous montrer un petit peu ce qui a rejoint ma collection pour le colo niveau matériel et autres. Je sais même pas par quoi commencer. On va peut-être commencer par les bouquins. Dernièrement, je me suis commandé le Color Book of Flower and Sweet Girls. Je l'ai pris sur AliExpress. Donc, j'ai un petit. Il y a un petit peu corné ici, un petit peu corné là. Voilà. Et ils mettent le carnet teinté. Hein. À l'intérieur, je ne sais plus quelle page c'était. J'ai réussi quand même à gommer. Mais ils le mettent à l'intérieur et du coup, ça vous fait des traces. Mais bon, j'ai fait un litige. Je crois que c'était cette page-là. J'ai fait un litige et il m'a remboursé 6€ sur le bouquin. Je ne sais plus combien il m'a coûté. Il m'a coûté, je crois, 10, 11. Quelque chose comme ça. Donc, voilà. Il me faisait très envie depuis un moment. Bilan, je l'ai pris. Elles sont vraiment trop trop belles. Et vous avez le petit carnet pour vous inspirer. Voilà. Donc hâte de le commencer celui-ci. Mais il est vraiment trop beau. Et vous avez envie de les acheter tous. Hein, voilà. Donc celui-ci. Ensuite, sur Vinted, je me suis trouvé le Korean Chic Coloring Book 2, Fantasy Fairy Portrait en Line Art. Bon, le nom, c'est un petit peu compliqué, donc Deria Trop, on va dire. Donc, c'est du papier Amazon, donc je pense que je vais me le photocopier. Voilà, je vais me le photocopier et puis je le revendrai après sur Vinted, parce que j'ai vraiment beaucoup de mal avec ce papier. J'ai essayé dans le Elegant Beauty et j'y arrive pas. Bilan, je suis en train de le photocopier aussi, puis il va partir. Je préfère que ça serve à d'autres si jamais. Mais voilà, ça faisait un moment que je voulais un petit color. Je me suis imprimé celui-ci pour bientôt. Du coup, je l'ai en version un peu plus grayscale et je préfère. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, je me suis pris pas mal de porte-vues. Je me suis pris pas mal de porte-vues et autres parce que j'ai acheté pas mal de blocs. Je me suis acheté le BFF. Voilà. Il me faisait envie, j'ai craqué. Voilà. Je suis faible de toute manière. Donc, encore un bloc à commencer. Il y a des très belles dedans, même s'il y en a certaines qu'on a déjà vues ailleurs, hein, clairement. Et que le côté art déco en fond, c'est pas le must. J'aime bien celle-ci. Mais voilà. Je me suis pris le BFF. Ensuite, pareil sur Vinted, je me suis pris le Fairies, du coup, de Christine Caron. Pareil. C'est du papier Amazon, donc celui-ci je l'ai photocopié, il est en vente sur ma boutique, hein, il n'y en a aucun de fait dedans. Mais et je trouvais aussi le grayscale un peu foncé, du coup là je l'aurai en un peu plus clair, ça m'arrange. Et il y en a quelques-uns que je suis pas fan, que j'aurais pas fait, celui-ci il me tente pas, celui-là non plus, celui-là il est magnifique, mais voilà. Je me suis photocopié ce qui me plaisait et voilà. Celui-ci va partir. Mon premier Christine Caron. Je pense que maintenant, je vais me les prendre en PDF sur Etsy. Ça sera très bien. Encore un porte-vue. Et j'ai craqué pour le Summer Night. Summer Night, non. On ne fait pas du Anna Carlson ici.
je n'arrive, ça me tente pas le Macarzon. Donc le Summertime, celui-ci je voulais le commencer en plus pour l'été, et là l'été va être fini et je n'y suis pas allée encore, et je les trouve trop trop belles. Enfin je sais pas, c'est pas des élus qu'on voit dans d'autres blocs. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc voilà, je voulais le faire. Celle-ci je l'ai vue chez Créacolor et elle est trop beau. Celle-là j'aime bien. Mais oui, je les trouve superbes. Donc ouais, je voulais le commencer, mais je m'étais noté quelques trucs. Voilà pour la nourriture, tout ça, et finalement bah, j'ai pas eu le temps. Oh, celui-là il est trop mini. Voilà. C'est Winnie. Donc voilà, le Summertime. Ensuite, encore un nouveau porte-vue pour mettre le Magie. Voilà. Ma soeur l'avait, donc voilà, ça nous fait encore un bloc en commun pour pouvoir faire des colos. Ah, celui-ci. Donc voilà, le Magie. Même s'il y en a certains, c'est un petit peu poussé par les cheveux, mettre des étoiles un peu partout. Voilà quoi, il n'y a rien de... Celui, ça doit être, moi je vais faire un fond uni et rajouter des trucs avec parce que non sinon j'ai pas fini. Mais ouais, celui-là avec l'effet vert ça peut faire pas mal. Mais oui, il est très joli aussi celui-ci, avec quelques-unes où il n'y a pas vraiment de magie là-dedans hein. Allez. Ensuite, bah, voilà, vu que je ne l'ai pas eu par mon cher et tendre pour mon anniversaire, bah, je me le suis offert, le Vitro 2. Voilà, même si voilà, je ne suis pas encore retournée dans le 1 alors que je voudrais. Celui-ci, du coup, il n'est pas entamé, mais voilà, je le voulais. C'est des livres magnifiques et il va falloir que j'aille dedans. Mais il était trop beau et voilà, je le voulais trop, donc je l'ai pris. Ensuite, bah, j'ai reçu celui-ci d'une de mes abonnées chéries, Mamilie d'amour, m'a envoyé un petit peu en retard, mais franchement, Osef. Hein. Donc, le grand bloc portrait tome 2, qui était dans ma wishlist, voilà. J'ai voilà, déjà fait un petit Big Ben dedans, mais voilà. J'aime beaucoup le portrait 1 et je voulais le portrait 2, parce que j'aime bien faire des portraits, voilà, c'est tout. Donc... hâte de le continuer. Celui-là. Enfin voilà quoi. Donc des blocs, des blocs, des blocs. Je suis noyée sous les blocs. Et ensuite, ma soeur m'a offert le cercle de la vie. Voilà. Elle est venue passer une semaine à la maison et bah, comme d'habitude, elle vient pas les mains vides. Donc elle m'a offert le cercle de la vie, donc aux éditions Marébou, et le papier est vraiment très bien, il est bien blanc, bien épais. J'ai fait un colo dedans, voilà, j'ai fait celui-ci, et voilà, ça a un petit peu gondolé, mais franchement rien de... Voilà, franchement, ça passe large, donc trop trop bien. En plus il y a des... Enfin voilà, vu que c'est un... je trouve que c'est un mélange de Kirby, Rita Berman, j'aime bien. D'ailleurs, il faudra qu'on se fasse celui-ci en commun, si elle ne l'a pas déjà fait. Un serait, tu me diras quoi, mais celui-ci. Ils sont trop beaux. J'aime trop. Donc voilà pour celui-ci. Je pense que j'ai fini au niveau des livres. Je pense. Dernièrement, je me suis pris des petits pochoirs sur AliExpress. Je ne sais même pas où je les ai mis. Si, c'est ceux qui sont... c'est les blancs. Donc, effet bois, des feuilles, des... Voilà, je me suis pris des... Là, il y a des petites fleurs. Voilà, je me suis mis voilà, des effets troncs pour faire des fonds. Et j'ai pris le fond nuage aussi. Mais il est très grand, celui-ci. Voilà, je voulais des petits pochoirs. Donc, je me suis pris ça. Et je suis allée à Action quand, hier. Et j'ai pas trouvé les nouveaux pochoirs. Mais bon, tant pis. Je me suis racheté une trousse sur Ali. Bon, vous voyez que... Voilà, un petit spoil. Je me suis pris les 120 Brut Funner.
Donc je me suis pris les squares parce que les 520, franchement, je sais pas où je les mettrais. Et je suis déjà embêtée quand je colo. J'en ai partout sur mon bureau. J'ai ça de place pour colorier. Enfin, je passe même pas mes jambes sous le bureau tellement il y a du bazar en dessous. Enfin, c'est plus possible. Donc je me vois pas avoir les 520 Brut Funner, franchement. Clairement, pour l'instant, c'est vraiment pas envisageable. Et je sais même pas si... Non, je ne saurais pas comment les utiliser. Voilà. Et du coup, derrière, j'ai mis mes Déco Time. Mais sachant que je n'arrive pas à me faire un nuancier, sachant que j'ai ceux des boîtes métalliques et ceux de la mallette en bois, là, j'arrive pas à les ranger. Et j'ai pas forcément envie de les utiliser, clairement. Donc, je sais pas. Donc, ils sont là, mais... Je pense qu'ils vont partir ailleurs, je pense. Parce que je les utilise pas, je les trouve super secs. Donc voilà. Mais j'adore ces trousses. Hein. Moi je les prends sur AliExpress. Elles sont aussi sur Amazon, mais elles sont plus chères sur Amazon. Donc ça doit être une 306 emplacement. Après, ça dépend ce que vous mettez dedans. Si vous mettez des feutres, clairement, vous en mettrez moins. Et dernièrement, j'ai vu une bonne affaire sur Vinted. Donc j'ai craqué pour 60 polychromos. J'ai eu 60 polychromos pour 65 euros. Bah, ils sont neufs, ils étaient encore sous blister. Ma soeur en a profité, il en vendait deux boîtes en fait. Donc voilà. On s'est pris 60 polychromos. Donc là, j'ai hâte de les tester. J'ai pas encore osé. J'ai fait mon nuancier. Enfin, je les ai juste swatchés. Il faudra que je refasse un beau nuancier que je vais plastifier comme pour mes prismas. Voilà. Et voilà. Hâte de les tester. Je sais pas si je vais avoir assez de teinte pour quand même. Bah, de toute manière, les peaux, ça va être compliqué, je pense, les peaux. Mais au moins faire des cheveux, poils. Voir ce que je peux faire, mais et je compléterai au fur et à mesure à l'unité cette gamme. Donc du coup, il faudra que je les mette dans une autre trousse. Mais je vous dis, je pense que les décotames vont partir et que c'est là dedans. Du coup, voilà, je les ai mis avec mes prismas. Mais très très contente. Ils me faisaient envie, je les ai pris. Voilà. J'ai du mal à me raisonner de toute façon en ce moment. Et sinon, je vous avais pas montré aussi, Doudou m'a acheté une lampe pour mon anniversaire, du coup. J'ai pas eu les vitraux 2, mais j'ai eu une lampe. Je vais pas vous la montrer, c'est vraiment le dawa sur mon bureau. Mais il l'a pris sur Amazon. Elle était à 20-30 euros, je crois. Et elle fait beaucoup... J'ai beaucoup de... d'intensité de lumière, en fait. Et il y a une... Il y a un bouton aussi de programmation où elle va s'éteindre toute seule. Mais elle est vraiment bien. Et j'ai rien en français. Si, j'ai en français. Mais est-ce qu'elle me dit... Non. Et vous pouvez tourner les trucs, là, bien le relever. Là, ça se tourne dans tous les sens. C'est vraiment pratique. J'aime bien. Et vous avez une prise derrière USB. Voilà, vous pouvez la brancher en USB. Et vous pouvez même brancher un autre truc en USB. Moi, je branche mon téléphone en plus. Comme ça, je recharge mon téléphone avec. Mais j'aime beaucoup. Je ne sais pas s'ils vous disent combien de spécifications produits. Attention. Non, ils ne disent pas. Je crois qu'il y a bien 5 modes de lumière. Hein. Mais franchement, je l'aime bien. Ensuite, je me suis pris du fixatif pour pastel... Pastel sec et fusain, c'est à Cultura, le mono. On verra bien ce que ça donne, parce que bon, là, avec la laque, c'est peut-être pas ouf. Sur Ali, je me suis aussi pris des clear stamp, parce que bah, je continue à faire du bujo, donc voilà. Moins, mais je continue à en faire, donc voilà, j'ai pris ça sur Ali. Et à Action, je me suis pris ce petit bloc Flower Collection. Voilà. Ce que j'ai utilisé pour mon mois de septembre. Hop. À Action, je me suis aussi pris ce petit
c'est un crayon, je sais pas trop comment on appelle ça. Est-ce que c'est écrit que... Non, c'est pas écrit là, je sais pas comment ils appellent ça. Stylo thermique, voilà, je me suis acheté celui-ci. Dedans, vous avez du foil doré, mais quand j'y suis allée, il n'y en avait pas d'autres. Là, j'y suis retournée, j'ai trouvé le rose gold, le holographique et le rainbow. Voilà, donc ça, c'est pour le bijou. Pas encore testé, vous voyez, c'est encore emballé. À Action, je me suis aussi pris les chalk marqueurs que j'adore. Là, c'est juste les recharges que j'ai pris, le backup que j'ai repris en fait. Ce que j'utilise le plus, là, le blanc qui est très très bien. Donc voilà, j'ai repris ça en backup. Je vais peut-être vous montrer les swatchs. Voilà. Ça, c'est les chalk marqueurs. Ils sont vraiment beaux. Il glisse vraiment bien, il recouvre bien le noir. Là, vous voyez donc en, sur du noir ce que ça donne. Ils sont vraiment bien. Je vous les conseille vraiment si vous les trouvez. Prenez, hein, foncez. Ensuite, j'ai pris quoi aussi ben ils sont un peu plus bas. Donc je vais... Sur AliExpress, je me suis repris un gant. Voilà, un gant pour colo. Parce que j'en fous partout, voilà, j'ai toujours les doigts dégoûtants, donc voilà, je me suis repris un gant, j'en avais déjà un noir, j'en ai pris un violet, voilà, pour pouvoir tourner. Hop. Ensuite, je m'étais acheté un Posca en PC 1MR, mais je vous le déconseille, je trouve pas que ça fonctionne bien, c'est pas blanc blanc. Ça a du mal à... Enfin, voilà, ça termine en flotte, donc j'aime pas. Pareil pour celui-ci, donc le Pilote Supercolor. Pareil, ça finit en flotte. J'ai du mal à les utiliser, mais c'est des pointes très très fines. C'est de ça qui m'intéressait en fait. C'est des pointes super fines. Mais au final, ça va pas. J'aime pas. J'aime pas. Ça saoule. J'ai essayé celui-ci, le Jelly Roll en 0,5, mais pareil, ça a du mal à sortir, c'est trop fin, voilà. Du coup, je me suis pris les paint markers à Action, là je trouve que la mine est trop épaisse, mais je les utilise quand même, hein. Voilà, ils sont bien. Je me suis aussi pris quelques brush markers, voilà, je crois que c'est à base d'eau celui-là. Donc oui, liquid watercolor, donc vous pouvez les aquareller. Et je me suis pris celui-ci, donc le Pitt, Faber-Castell Pitt en blanc. Je l'ai pris en B, bold, voilà. Et celui-là, il est vraiment bien, donc c'est de l'encre de Chine. Et je le trouve mieux que cela. Voilà, donc j'utilise ça en ce moment. Et je l'aime bien. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Je vais continuer par là. Je me suis repris le kit de watercolor ink. Toujours pas ouvert, donc à voir. Pareil pour faire des fonds, voir si ça traverse pas trop. Sur Vinted, je me suis trouvé ceci. Je les ai eu pour 5 euros, je crois. Donc les Mongio, faut que je les nettoie un petit peu. Mais ils sont en bon état, tout ça. Et les couleurs sont vives. Du coup, j'ai revendu mes pastels secs d'Action et je suis très contente. Voilà. Je les voulais, je les ai eu pour pas très cher. Sur AliExpress, je me suis pris les... je sais pas comment ils appellent ça, mais bon, c'est des stylos gel hybrides. Voilà, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, 12, je sais compter. Je crois qu'il y a un pack de 18 aussi. Mais je l'avais pas vu, mais il me semble qu'il y en a 18. Aussi possible, voilà, c'est des hybrides, donc ils font deux teintes, ils sont très très jolis, je les aime beaucoup, je les utilise beaucoup. Bon, là celui-là il a un peu raté le swatch, je savais pas forcément bien activer le truc, mais ils sont vraiment beaux, je les utilise tout le temps. Voilà, je voulais les Pentel, j'ai ceci. Après, est-ce que je me prendrai pas les Pentel, je sais pas. Je me suis aussi pris du drawing gum, voilà, parce que avec l'encre, tout ça, je commence à en avoir besoin. Le médium iridescent de chez Winsor & Newton. Voilà. Je me suis pris la PBO Déco Pearl Nacre machin machin. Je l'ai pris en or antique, donc la 120. Voilà.
quand j'ai pas envie de faire d'effet or, je prends ça. Je me suis pris aussi la Mod Podge. Bah nous, on n'a que celle-ci en France, je crois. Donc voilà, pour rajouter des paillettes sur mes fonds et tout et autres. Je me suis aussi pris, il y avait une petite, enfin ils n'étaient pas trop chers sur Amazon, je me suis pris les encres, elles étaient vendues en lot 4. Donc nous avons la noire, la blanche, la gold métallique bronze et la silver métallique aluminium. Voilà, de Winsor & Newton. Ensuite, j'essaye d'avancer vite parce que clairement on a déjà dépassé 20 minutes. Action, hier je me suis pris les Mix Color Marker. Donc je pense que je vais les utiliser dans le bujo. Je vais voir après dans quel dans les colos peut-être. Mais il faut du bon papier hein, vu que c'est à l'alcool. Après sur les PDF ça peut être pas mal. Donc j'ai pris toutes les teintes trouvées. Je pense que je les ai toutes. Je pense. Mais pareil, je ne les ai pas encore testées. Hop! Ensuite sur AliExpress, je me suis pris des rallonges crayons parce que là mon Prismacolor il était en mode au bout de sa vie. Voilà, c'est mon bébé crayon et j'arrivais pas à recevoir. J'avais recommandé. Bon, je dois te refaire mieux par contre. Je m'en étais recommandé un mais ça n'arrivait pas, ça n'arrivait pas. Je me fais non, je vais jamais avoir mon nouveau. Ça va être la misère pour finir mon colo et tout, mais non, ça a été. Donc je me suis recommandé des Prismacolor Blender aussi, mais du coup je ne vous les ai pas mis. Sur Amazon, ils sont moins chers. Sur Ali, je me suis recommandé des petites brosses comme ça, il n'y en avait pas que 3, mais j'en ai sorti que 3. Pour les encres, pour faire des effets dans les fonds avec ma mousse nouveau peut-être. Ça pourrait être pas mal. Je me suis commandé un... j'ai été à Leclerc. J'ai essayé d'en trouver à Action, pas moyen de trouver un répertoire à Action, donc je me suis pris un à Leclerc. Voilà, donc c'est chez Clairefontaine et je note mes combos dedans. Voilà, si jamais je fais un personnage Disney, je vais me les noter comme ça. Voilà, j'ai mes combos, soit Brut Funner, soit Prisma, soit machin, je vais me les noter dedans et j'aurai pas à chercher. Voilà, je sais pas combien de temps, dès qu'il va falloir que je refasse le même personnage, j'aurai des combos. Voilà. Action, je me suis aussi pris celle-ci, les acrylic paint, mais j'ai cru comprendre qu'elles n'étaient pas ouf, donc je sais pas ce que je fais, si je les revends, ou si je les essaye quand même ou pas, sachant que j'ai acheté les gros tubes, aussi Action, mais des gros tubes pour moi et mon fils, comme ça je fais mes mélanges et voilà. Donc je sais pas encore celle-ci, si faut que je regarde encore d'autres vidéos, voir si elles sont vraiment pas opaques ou quoi. Ensuite, à Cultura, je m'étais pris aussi des pinceaux à réservoir d'eau assez ouverts hein, parce que je m'en sers pour beaucoup. Je me sers de celui-ci, c'est laquelle mine, la 3 mm. Ouais, c'est ça. Donc vous avez 3 mm, 4 mm et 6 mm. Et je me sers beaucoup de 3 mm. Donc voilà, je pense qu'ils sont très bien. J'en avais d'Ali et de... et d'Action, mais au bout d'un moment, soit ça coule trop, soit ça coule plus, enfin, donc voilà, celui-là, pour l'instant, ça va nickel. Je me suis aussi pris à Action les paint markers All Surface, bon, ben, je les ai activés et swatchés, j'ai pris toutes les teintes disponibles, donc dans le paquet, vous en avez deux glitters, deux métalliques, je vais vous montrer les swatchs, par contre, ça a un débit de fou, ça coule beaucoup trop, alors, voilà. Les couleurs sont sympas, mais pareil, ça traverse, donc à faire attention. Les pailletés sont quand même sympathiques, et les métalliques, on dirait qu'il n'est pas sec du tout, mais si, il est sec, quoi. Mais il brille de ouf, les roches, je ne sais pas si vous allez voir, on dirait qu'ils sont pas secs, mais... Donc voilà, j'ai pris ça, par contre, j'ai pas repris de backup, parce que je verrai bien. Mais voilà, le gold est sympa, le Cooper aussi. Et je vais vous montrer ce que ça donne sur le noir. Par contre, bah, les paillettes sur le noir, clairement. J'ai voulu faire des petites formes au départ, mais j'ai vite abandonné parce que ça a un débit tellement important que j'en mettais partout. Donc voilà.
à ce que ça donne sur le noir. Et le blanc que j'ai utilisé là pour écrire, c'est le Chalk. La version. Voilà, le Chalk Marker blanc de. C'est celui-ci, d'Action. Il est vraiment bien. Donc voilà pour ça. On va arriver au bout, je sais pas. Hein. Franchement, si je crois. Si on y arrive. On y arrive, ça je vous l'ai déjà montré. Ouais, ouais, c'est bon. On y arrive. Et en dernier, je me suis procuré, pareil, je vous les ai pas tous sortis, mais je me suis procuré les 6 Chalk Ink Pad. Voilà, j'avais pas trouvé les premiers qui étaient sortis. Mais du tout, du tout, du tout, dans tous les actions d'Amiens, pas trouvé une seule fois. Donc voilà, que les tampons, les voilà, les trucs de mousse, ça, pas de souci, il y en avait. Mais alors les tampons creurs, jamais, jamais trouvé. Donc je les ai pris, je verrai bien ce que ça donne. J'en ai déjà des petits, j'utilise des petits d'AliExpress, mais bah, ils commencent à se faire vieux. Et voilà, mais je vais voir ce que ça donne, je vais les utiliser et si vraiment ils sont pas top, je m'en prendrai sur AliExpress. Ils le font aussi en version dans ce format-ci. Donc voilà, je me suis pris toutes les six packs disponibles. Et vu que j'aime bien utiliser les encres en ce moment, enfin voilà, je varie mes fonds. Voilà. Donc contente de les avoir trouvés. Donc voilà pour ce big haul. Pff, je suis arrivée au bout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous les avez utilisés, tous ces produits Action, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire pour ça ce que je fais, si je les ouvre, je les ouvre pas, parce que je sais pas, je les ai pris à un moment et voilà, j'ai pas encore pris le temps de les swatcher tout ça, mais ce que j'avais vu chez Colocopine, ça avait pas l'air d'être ouf, donc je me repose un peu là dessus voir si je les revends ou pas. Désolée, c'est mon ventre. Mon ventre a faim, mon ventre est au tout bout de sa vie. Comme mon corps, là. Depuis le deuxième vaccin. Enfin bon, bref. Je vous fais plein de bisous. J'espère que ça sera plus light les mois prochains. Voilà. Parce que voilà, j'ai de quoi faire, clairement. Mais même si voilà, la wishlist, elle continue de grandir et autres, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. D'ailleurs, il va falloir que je mette ma wishlist sur Instagram à jour parce que bon, bah, les polychromos, je les ai eus. Enfin, pas tous, mais bon, j'en ai quelques-uns. Donc voilà, que je mette à jour, que je l'enlève de ma wishlist et que je rajoute un petit peu ce qui me fait envie en ce moment. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire, vous, ce que votre wishlist colo. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao. Let me back to you.